Ce qui est fascinant aussi à Carthage, c'est que on est une centaine dans chaque année. Mais en première année, bon, il y a les Anglais, des Écossais, il y a des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des ceci et de ça. Et surtout, peut-être un bon cas de Français. Les pères blancs les plus nombreux étaient et sont restés des Français de l'Hexagone. Après une année de théologie, tous ces Français sont appelés à l'armée. Ils doivent faire leur service militaire. Et donc, ils partent en Algérie. Pendant 3 années, ils font la guerre. Et puis, ils reviennent terminer leurs études. Ça, je dirais, en termes de piété, ça change quand même l'atmosphère du bazar. Ils avaient vécu des choses absolument horribles, terribles, la torture. On ne les mettait pas en première ligne, si vous voulez. Parfois, oui, certains, mais ils étaient dans les communications. Il y avait un dont il était le chauffeur qui amenait ses collègues dans les bordels de campagne. Il y avait un autre qui... Parce qu'il nous racontait tout ça. On avait des récréations, on n'était quand même pas tenus, on n'était pas des trappistes, on papotait, on parlait en permanence au le cadre des cours, etc. Il y avait un qui amenait, je dirais, ils étaient dans les spahis, c'est les types qui sont habillés un peu comme les pères blancs, mais qui chevauchaient les dromadaires dans le sable. Et le soir, les fesses étaient en feu et en sang, et c'est lui qui passait avec le talc. Les types avec les jambes en l'air foutent du talc dans leur pète, absorber le sang. Ils ont fait toutes sortes de choses. Et je me rappelle, parce que je l'ai vu récemment à Carthage, un copain qui s'appelle Jean Fontaine, qui a demandé une fois un professeur de théologie morale qui parlait de... du doux. Ça veut dire qu'il ne faut jamais faire le mal pour que le bien arrive. Mais si le bien et le mal sont simultanés, alors vous pouvez peut-être... S'il y a un pont qui va exploser, il y a des enfants dessus, et bon, il y a toutes sortes d'astuces théologiques, casuistiques. Et le prof va expliquer un peu ça. Et lui, il a dit, écoutez, moi, j'ai un problème. Là. J'ai un féléga que je viens de blesser, il est tombé dans un ravin, et il y a les hyènes qui arrivent. Est-ce que je peux l'achever ou est-ce que je dois laisser les hyènes l'achever? Alors là, je dis, c'était quelque chose qu'il avait vécu. Donc, tu avais un sort de je ne dis pas de virilité, mais tu avais un sort de réalité à Carthage que vous n'aviez même pas dans d'autres scolastiques à des pères blancs. Eux, ils parlaient des problèmes théoriques, ils imaginaient des cas, mais un tiers du scolastica avait vécu des choses terribles, si tu veux, et en parlait. Ils n'avaient pas été à ce point traumatisés, mais je dis, ça a changé l'atmosphère. Parce que je me rappelle, en dernière année, on est allé saluer les copains qui étaient partis à l'armée à Bizerte, dans le nord de la Tunisie, et on avait une colonie de vacances. On nous avait donné un vieux fort de la marine française datant de la fin du 19e siècle. C'était enterré. On avait créé une colonie de vacances avec des enfants des pieds noirs, des enfants des ambassades, donc très haut de gamme, avec des jeunes Tunisiens. C'était pour mélanger tous ces gens. Et de l'autre côté de la nationale, il y avait une immense caserne où les types qu'on avait sous les bancs la semaine auparavant étaient déjà en tenue militaire, et on est allé là-bas pour la messe de dimanche. Il y avait des chars qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Tous les mots d'emploi étaient en anglais ou en allemand. C'est un de ces grands bazars de De Gaulle. Il y avait une immense base sous-marine à Bizerte. C'est pourquoi De Gaulle, un peu comme Guantanamo, De Gaulle tenait à ce que Bizerte reste dans le giron de la métropole.
Chaque année, Bourguiba envoyait des jeunes Tunisiens râler des bas contre cette présence militaire française. Cette année-là, ça a mal tourné. Les Français en avaient marre, les soldats professionnels, la Légion et les officiers qui avaient perdu à cause des politiciens la guerre de l'Indochine disaient cette fois-ci, on ne perd pas, on le rentre dedans. Alors ils ont mitraillé. Bon, ils ont envoyé d'abord des paracommandos sous la base de Bizerte, si vous voulez. Il paraît que, selon le règlement, tu ne dois pas tirer sur les paracommandos quand ils descendent. Une fois qu'ils sont par terre, tu peux. Mais une fois quand ils sont en route, il faut les laisser tranquilles. Malheureusement, les pauvres gamins tunisiens à qui on avait donné des kalachnikovs et toutes sortes de vieilles chasse-pots, ils avaient creusé des tranchées le long des pistes en droite ligne au lieu d'en zigzag le long des pistes d'atterrissage. Et ils tiraient sur tout et n'importe quoi. Je crois qu'ils n'ont même pas tué le moindre paracommando. Mais les Français ont dit, bon, on y va carrément. Ils ont envoyé un mirage, ils ont massacré en rectiligne des centaines de jeunes. Bourguiba n'a jamais voulu admettre ça, de Gaulle encore moins, si vous voulez. C'est passé devant les Nations Unies, c'est la fameuse bataille de Bizerte. Regardez sur Google, on va vous expliquer ça. Et nous, on était là avec ces gosses. Et nos camarades scolastiques étaient mêlés à tout ça. Et nous aussi, les mirages survolaient ce fort. On a téléphoné aux ambassades de l'Amérique, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne pour qu'ils envoient un convoi. On a mis tous les enfants dedans. Et nous, on est restés pour surveiller un peu le fort. Ça a tiré dans tous les coins. Et Bourguiba avait rapatrié du Congo des soldats qui avaient connu les Pères Blancs au Congo, lors des massacres là-bas. Il était tout content de trouver des Pères Blancs avec qui papoter. C'était apocalyptique. Je suis encore en vie, mais quand je réfléchis, j'ai toujours vécu des situations assez dangereuses, si vous voulez. Et donc, nous, on nous rapatrie aussi. Finalement, on dit, on ne peut pas rester ici. On est reparti sur Carthage. Le pays était à feu et à sang. Et moi et un Américain, on donnait des cours d'anglais à des jeunes Tunisiens dans une belle vieille maison de l'aristocratie tunisienne, en plein milieu de la Médina, l'IBLA, l'Institut des Belles Lettres Arabes, tenu par les Pères Blancs. Les Pères Blancs, en Tunisie, avaient adopté la stratégie jésuite, on s'attaque à l'élite. Et donc, ils s'habillaient dans des bounous, tissaient mains, ils se parfumaient, ils se pommadaient, ils avaient une bibliothèque remarquable. C'était vraiment les grands seigneurs, les grands snobs intellectuels, dont un fameux père Louis, qui est un grand ethnologue. Il a fait un immense test d'état sur les poteries de Djerba. J'ai fait du terrain avec lui dans les années 60, dans le sud de la Tunisie. C'était vraiment des très grands. C'est les Pères Blancs, ce n'est pas un ordre d'intellectuels. Il y avait quelques mutants comme ça. Et être condamné aux études, on disait condamné aux études. Moi, la seule chose que je voulais après les 4 années, c'était d'aller baptiser tous les petits bébés noirs de l'Afrique centrale, si tu veux. Je ne rêvais. Un broussard, c'était l'idéal du broussard. Faire des études, c'était être condamné aux études, ce qui était mon cas. Et donc, on revient sur Carthage et ça grouille dans tous les coins. Le pays est en émeute, on veut massacrer tous les blancs, etc., etc. Et on dit aux supérieurs, est-ce qu'on doit encore aller donner cours à l'IBLA? Il a dit oui, parce que nous, on n'est pas impliqués. Nous, on n'est pas. Il faut montrer aux Tunisiens que les Pères Blancs sont innocents de toutes ces affaires de guerre, la guerre d'Algérie. Et puis la Légion étrangère remontait du sud avec des chars et des half-tracks et tout ça. C'était vraiment, n'imaginez pas. Le pays était complètement sans dessous. Alors on y va. Je donne mon cours d'anglais à des gamins 10-12 ans. Et un gamin
Parce qu'on entend à la radio Bourguiba qui harangue les foules en disant « Voilà, on amène les martyrs de Bizerte aujourd'hui en ville, il faut tout le monde qui se rassemble devant le palais du gouvernement. » Et le gamin a dit « Mon père, je m'en vais mourir pour la patrie, priez pour moi. » Moi, j'ai dit « Bon, il est temps que je rentre aussi au Scholastica. » Et on est retourné dans la Médina, dans les souks. Il y avait des types, mais énervés, excités, comme des puces. Il y avait de la musique militaire, nous, habillés en père blanc. On passe à travers. On sort des souks, on passe devant l'ambassade, le centre culturel américain. On est lapidés. Je ne sais pas si on nous lapidait, nous, mais on lapidait au moins. Et nous, on était au milieu de ça, pof, de nouveau, des cailloux. Non, j'ai toujours vécu, entre guillemets, un peu dangereusement. Bon, Carthage, c'est ça. C'est turbulent, c'est ultra sportif aussi. On jouait au foot, on jouait au basket, on jouait au volleyball à n'importe quel moment. On ne faisait pas de la boxe. La seule fois que j'ai fait de la boxe après, c'était quand j'étais allé apprendre l'allemand chez les Pères Blancs à Trier. Ils avaient une belle vieille maison couvent du Moyen Âge, 16e siècle. Qui a été bombardé par les Anglais, ça, on ne l'a jamais pardonné, mais c'est inclus dans le prix. Alors, je suis allé là-bas apprendre l'allemand, parce que j'avais commencé cette thèse sous Teilhard de Chardin et Albert Camus sur le sens de la mort. C'était presque la dernière semaine, j'amène tout chez mon prof, il a dit, vous connaissez l'allemand? Moi, je dis, bouf, eh bien, changer de sujet, parce qu'il vient de sortir un bouquin d'un de mes confrères, Der Mensch in der letzten Endentscheidung, l'homme au moment décisif de la mort. Si vous ne lisez pas ça, vous ne pouvez pas continuer. Bon, je vais apprendre l'allemand, alors je vais à Trier. Et j'ai vaguement appris l'allemand dans cette belle vieille maison. Et là, c'était pendant l'été, et il y avait un séminariste qui était resté. C'était un type, mais plus baraqué que Idi Amin, mais en vrai, à rien. Un type, 2 mètres de haut, les yeux bleus, blonds, comme on n'en fait plus. Et c'était un ancien garde du DDR. C'était à l'époque de l'Allemagne de l'Est. Et il était venu, il a dit, j'ai échappé, j'ai traversé le rideau de fer, j'ai sauté le mur de Berlin parce que j'ai une vocation de missionnaire, je veux être missionnaire. Et les Pères Blancs l'ont accueilli. Et il avait fait... Mais il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il dit, moi, je suis apatride. Et donc, il est là, et on papotait. Moi, je disais, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai fait un peu de boxe quand j'étais petit. Ah, il dit, mais moi aussi, moi, j'ai fait de la boxe. On pourrait quand même se faire un peu de boxe. Parce qu'il y avait un gymnase dans le séminaire avec tout ce qu'il fallait. Ouais, moi, je ne pouvais pas reculer. J'étais quand même déjà prêtre. Je ne pouvais pas, devant un séminariste, il fallait quand même montrer qui était à sa place. On fait de la boxe avec lui. Il m'a flanqué un de ses coups. Il m'a cassé 2 côtes. J'étais complètement dans les pommes. Oh, de Dieu. 20 années après, j'explique ça à un père blanc copain. Il a dit, Mike, tu sais, ce type-là, c'était une taupe. Le DDR l'avait envoyé pour noyauter le monde missionnaire. Pour ça. Bon, revenons à Carthage. Et Carthage, je suis ordonné, 62. Je suis condamné aux études. Ça veut dire, on a dit, parce que j'étais jeune, si tu veux. Je suis né très jeune. Je suis devenu prêtre à 22 ans, ce qui était interdit. On pouvait, avec une dispense, être ordonné à 23, mais un double dispense, ça, c'était très rare. Mais on l'avait obtenu et j'étais passé. J'ai su après, parce que j'ai un grand copain qui vit encore, qui était mon prof de théologie morale, qui était devenu un grand monseigneur au Vatican pour les problèmes de dissolution de mariage. Il était... Parce qu'il y avait toutes sortes de problèmes en Afrique avec les polygames, avec des mariages coutumiers qu'il fallait régler. Les évêques envoyaient tous ces problèmes au Père Blanc et ce copain allait les discuter avec les cardinaux pour trouver une solution à l'amiable, si tu veux.
Et c'est un type ultra sympa qui est sorti aussi, qui habite à Évalet. Il raconte des trucs absolument hallucinants. À la Sacrero, tu avais des vieux cardinaux presque grabataires, complètement gaga, qui se demandent, parce que à l'époque, il fallait, pour que le mariage sacrement soit vraiment tamponné théologiquement, qu'il soit ratifié, ratum, ça veut dire qu'on est inscrit quelque part dans les... Et consumatum, ça veut dire qu'il y a eu pénétration. Parce que s'il n'avait été que ratifié, s'il n'y avait jamais eu pénétration, on pouvait, non pas divorcer, mais dire qu'il n'y a jamais eu de mariage, si tu veux. Comme les princes Rainier et tout ça, ils se payent un avocat de droit canon et ils prouvent que ça avait été raté, ratum, mais pas consommé. Il a dit, vous n'imaginez pas, il y avait des vieux cardinaux qu'on amenait dans des chaises roulantes et qui calculaient au millimètre près la pénétration du pénis dans le vagin parce que un millimètre trop loin, c'était consumatum. Un millimètre de ce côté-ci, c'était pas encore. Et donc, on pouvait éventuellement... Comment est-ce qu'on est parti de Jésus à ces histoires-là? C'est ça qui m'étonne, ça qui l'a étonné toujours. Oui, il a quitté. Et donc, je suis condamné aux... Et puis, lui m'a dit, écoutez, Mike, au moins trois fois pendant le Scholastica, il était question que tu sois renvoyé. Non pas pour des fautes morales graves, mais parce que tu avais des idées trop farfelues. Entre autres, il m'a rappelé de ça. Le père supérieur était assez malade. Il est parti pendant quelques mois de convalescence. Et moi, naïf, candide, comme j'étais chargé de la catéchèse des tout-petits enfants des ambassades, donc des Américains, des Allemands, des Anglais, de 2 à 4 ans. Et moi, j'ai toujours passé très bien avec les tout-petits et les tout-tout-vieux. Entre les deux, ça a toujours été un peu plus compliqué. Bon, là j'adorais, et même aujourd'hui, les petits-enfants m'adorent. C'est même embarrassant parfois parce qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux avec leurs parents. Et en l'absence du supérieur, j'avais créé une toute petite revue rognotypée pour aider les autres collègues qui faisaient du catéchisme. C'est une petite revue de catéchistique où on expliquait comment on pouvait mieux sucrer la pilule avec des images. Et j'avais une fois aussi écrit dans un éditorial en disant que les étoiles des rois mages, c'est de la mythologie. C'est pour montrer que Jésus, tout petit, était déjà maître de l'univers, que les étoiles obéissaient. Moi, je trouvais ça assez sympa. Ce n'était pas moi, c'était un cardinal Danielou dans un gros bouquin théologie judéo-chrétienne, parce qu'avant le christianisme gréco-latin, tu as eu un siècle où le christianisme était juif. Un point, c'est tout. Quand le père supérieur est revenu et il a su ça, il a réuni tout le scolastica. Mais chaque soir, on était réunis pour la lecture spirituelle avant le souper. Et il a commencé à hurler en disant « Autant je suis large ouvert pour l'Ancien Testament, autant j'admette que la traversée de la mer Rouge, c'était pas exactement comme dans le film de Cecil B. DeMille, c'était peut-être un peu moins spectaculaire. Mais le Nouveau Testament, on ne touche pas. Les rois mages étaient trois et leur étoile était un vrai étoile. Pof !» Et ça, et tout le monde a dit, c'est Mike. Et ça, c'est plusieurs fois comme ça. Mais je ne savais pas. C'est ça qui est terrible. Dans l'Église, tu ne sais jamais. C'est une structure hiérarchique. Tu n'as aucun intérêt, comme chez les noueurs, à régler ton problème face à face. Tu as toujours intérêt à monter plus haut, jusqu'au très haut. Parce que tu ne peux pas... Le pouvoir, plus tu montes, plus tu rencontres de pouvoir. C'est comme ça dans toutes les structures hiérarchiques et a fortiori
dans l'Église. Je me rappelle, en Angleterre, par exemple, quand je suis revenu de Rome pour la première fois chez mes parents, ma mère aidait des pauvres sœurs cloîtrées qui crevaient littéralement de faim. Parfois, elles sonnaient la cloche pour avertir les voisins qu'il fallait amener de la bouffe parce qu'elles n'avaient plus rien à manger. Et donc, ma mère, qui était catholique, mais pas bigote, les aidait matériellement. Alors, elle a dit à ma mère supérieure, quand Father Michael revient, il pourrait éventuellement vous faire une petite conférence, si ça vous dit. Bon, moi, j'en avais marre des bonnes sœurs. J'avais passé ma vie à Rome à conscientiser des bonnes sœurs à la joyeuseté de la nouvelle théologie. Elles adoraient ça, mais je me suis ramassé aussi. Parce qu'il n'était pas permis, surtout il n'était pas permis à un jeune prêtre de confesser des bonnes sœurs, paraît-il. Ouais, non, c'est... Mais je reviens chez moi, j'ai fait cette thèse sur Teilhard et Camus, et ma mère dit, bon, la mère supérieure aimerait bien, alors je suis allé dans ce couvent de Carmelite cloîtré, sachant qu'il y avait des vocations tardive, il y avait une institutrice, il y avait des gens qui n'étaient pas arrachés au ventre maternel, il y a des gens relativement intelligents. Et je suis introduit dans le parloir, il fait un dixième de ce grenier. Il y a un immense gris avec des barres de fer gros comme ça et un rideau de velours rouge, derrière lesquels se trouve Dieu sait qui et Dieu sait combien de bonnes sœurs. Je les entends tous sauter. Je suis là devant une petite table, assis dans un fauteuil. Je parle à ce grillage pendant 30 minutes sur le péché originel, tel qu'un jésuite hollandais a dit, bon, il ne faut pas imaginer que... Ève a vraiment fait bouffer un pomme à son mari, c'est plus compliqué que ça. J'entends quelques rigolades et quelques toussotements qui approuvent. Et bon, je m'en vais, je n'ai jamais vu la mère supérieure, elle m'a remercié à travers le rideau. Une semaine après, je reçois une lettre de mon supérieur en Angleterre en disant « Il vous est interdit désormais de vous adresser, de pointer dans n'importe quel couvent pour déblatérer sur des conneries modernistes. Vous n'êtes pas excommunié, mais c'est prêt. » Parce que la mère supérieure avait, au lieu de dire « on vous exagérez là », avait écrit à l'évêque, qui avait écrit à mon supérieur pour dire, écoute, fais-le taire, c'est un danger public. Et ça m'a souvent... C'est dans ce genre de système où vous n'avez... Comme je dis, c'est intéressant, je vous le dis, parce que chez les nouvelles, tu ne peux pas monter plus loin que le type qui a marché sous tes pieds. Le leopard skin chief, il intervient si vous êtes d'accord. Autrement, il n'a pas... Mais dans un système hiérarchique, vous avez intérêt à monter aussi haut et aussi vite que possible. Et donc, je suis envoyé à Rome avec ce sens. Parce que, ça je l'ai su après, les supérieurs ont voulu que je me calme. Donc, ils ont dit, bon, il est jeune, on va le faire faire de la philo, ça va le calmer, avant qu'on ne le lâche sur les Africains. Bon. Ça, comme toujours, ça n'a fait que s'empirer. Parce que c'était l'époque du Concile. C'était des années absolument inoubliables, si tu veux. Le petit Jean 23 avait ouvert large les fenêtres. Ça soufflait dans tous les coins, dans toutes les directions. Et on faisait tout et n'importe quoi. C'était un peu comme à l'époque de Mao, quand Mao a dit aux intellectuels, « Oui, allez-y, allez, dites ce que vous voulez. » Et puis, il les a zigouillés tous. Il y a les fameux 1000 heures. Il les a zigouillés. Dans l'Église, on imaginait que tout était possible, qu'on pouvait tout penser, tout faire, et prendre le contre-pied du cardinal Spellman, ça veut dire le cardinal Spellman de New York, qui est venu aussi pendant le Concile. Tous les cardinaux, tous les archevêques du monde étaient là. Et lui, je me rappelle, on a entendu une conférence de lui au Collège des Anglais. Il a dit, « You are here... » « To learn not to think ». Vous êtes ici
pour apprendre et non pas pour penser. Donc, c'était la vieille garde. Ça veut dire, ta théologie, il n'y a pas à réfléchir, il y a à apprendre. Les dogmes sont les dogmes. Il faut soigner l'emballage, mais il n'y a pas à penser ou à repenser. Donc, il y avait des relents antimodernistes étaient toujours là. Mais le concile, c'était remarquable. Ça veut dire, on avait ramassé de tous les coins éloignés de la chrétienté où on les avait casés, entre autres à Oxford. Congar avait passé des années en exil à Oxford, de Lubac en Afrique du Nord. On avait ramené tous ces gens à Rome et tu pouvais les écouter à 100 mètres du Vatican, à 100 mètres du Saint-Office. Expliquer que la Vierge n'était peut-être pas à ce point vierge, que Jésus n'était pas à ce point présent dans l'hostie, que le diable, c'était de la foutaise. Et fou, c'était hallucinant comme truc. Ça m'intéressait minimalement. Parce que, comme je dis, j'avais un âme de broussard, et donc j'ai appris l'italien très vite, et je me suis, avec un collègue italien, trouvé dans un bidonville pendant 4 années. J'étais curé d'un bidonville où s'entassaient parmi les immondices, parmi les poubelles, des camions poubelles de la cité de Rome, avec des bordels et des prostituées partout, des gens de la Sardaigne, de la Sicile. C'était le paradis, c'était de tout, avec un parti communiste, si tu veux, dans les baraques. On voyait au loin le coupole de Saint-Pierre. On était là avec tous ces gens illettrés, mais ultra accueillants et sympas. Les seuls qui venaient à la toute petite chapelle, c'était la moitié du grenier, étaient 3 vieilles dames, 2 ou 3 jeunes vierges et 2 bonnes sœurs. Mais ça nous satisfaisait. On était quand même des pionniers. La seule fois que les partis communistes venaient, c'était quand j'organisais des pèlerinages ou quand je téléphonais à Padre Pio. Là, ils étaient... J'ai organisé une fois un pèlerinage à Santa Rita di Cascia. Elle est la patronne des causes désespérées. C'est dans les Apennins. On a loué un bus de la commune. On est partis tous les communistes, tous les gens de Bilonville sont partis. On a guindaillé, on a bouffé, on a bu. Les vieilles femmes sont grimpées avec les genoux en sang jusqu'à prier Padre Pio et Santa Rita pour que les maris cessent de boire et leur taper dessus. Ils sont redescendus, on est remontés dans le bus. Et en revenant, moi, j'étais fatigué comme tout. Et le chef du Parti communiste a dit, « Mais padre, il faut dire le chapelet, il faut réciter le chapelet maintenant. » Moi, j'ai dit, « Mais le chapelet, s'il y a quelque chose qui me donnait sous les nerfs, c'est bredouiller. » Alors, moi, quand même, le client, il est roi. Alors, le Parti communiste, il veut le chapelet, on lit le chapelet. Et on faisait des trucs absolument... C'est ça où parce que j'allais écrire beaucoup là-dessus, la religiosité populaire, la religion du peuple. Le peuple n'est jamais là où on l'imagine. Il est toujours décalé par rapport à la hiérarchie, par rapport à ceux qui à droite voudraient qu'il retourne en arrière et à gauche ceux qui voudraient qu'il aille trop vite en avant. Ça, c'est une chose... Donc, tout ce que je vous dis, ça jaillit du vécu. Ce n'est pas du conçu qui cherche à s'enraciner. Si j'ai un faible pour le peuple, qui est différent, mais irréductible, incompressible avec tout ce qui n'est pas le peuple, c'est que je l'ai vécu dans ce bidonville, si tu veux. Et ça m'a inspiré plus tard pour dire que tout le monde est peuple. Toi, tu es peuple. Ma femme est peuple. Mes enfants sont peuple. Ils ne sont pas là où je l'imagine. À la limite, je m'en fous. Mais vous n'êtes pas là où je suis. Et c'est ça, l'anthropologie, je crois. C'est accepter que l'autre n'est jamais là où on voudrait qu'il soit. Il tire son plan, comme disent les Belges. Et son plan est peut-être à des années-lumière du plan que tu tires, toi. Il n'y a pas de structure sous-jacente. Il n'y a pas d'institution ou d'idéologie commune. Dès que tu commences à gratter, il y a des divergences, des disparités, des dissonances. Et qui ne doivent pas être gommées. L'anthropologie, c'est ça. Inventorier, tout ça.